Pas d'enfants. À quoi bon? Nous avons ceux des autres, Édouard, Paul, André, Armand, Jérémy, Étienne, Simon. Certains frissonnent sans doute au moment du shampoing. Nous les frisons pour les communions, dégageons davantage en veille de vacances, pas trop court sur la nuque lorsque l'hiver arrive. Et Mathilde garde toujours son ventre plat, ce ventre lisse qu'aucune grossesse ne viendra jamais déformer. Nous n'avons pas d'amis non plus. Nous n'en avons jamais eu. Qu'est-ce qu'ils auraient pu ajouter à notre vie? J'ai toujours trouvé louche cette manie pour un couple de sortir avec d'autres couples, de s'inviter mutuellement, de passer les vacances. Tout cela avait toujours été pour moi la preuve d'une insuffisance d'amour, une brèche colmatée par une amitié extérieure. Je suis bien avec toi, Mathilde. Nous sommes heureux ensemble. Il n'y a que cela qui compte. C'est fini. Bah tu vois, c'était pas grand-chose.